Douce France, cher pays de mon enfant. Ah, la France, terre de contraste et de gastronomie, ce sera notre destination privilégiée cet été pour les vacances. Et la SNCF lance une opération séduction. Pour l'instant, la menace du coronavirus dissuade les voyageurs. Faute de réservation, certains TGV ont même dû être annulés. Et la compagnie met désormais en avant les charmes du TER. Avec nous depuis le studio RTL de Lyon, Franck Lacroix, directeur général TER justement à la SNCF. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous de cette opération TER de France. Eh bien, c'est une opération tout à fait exceptionnelle. Vous savez, à la sortie de la crise sanitaire, la situation est exceptionnelle. Il fallait donc des mesures tout à fait inédites pour redonner à nos concitoyens la confiance et le goût de se déplacer avec nos trains régionaux. Ça répond d'abord à une nécessité. Vous l'avez dit, le Covid a marqué un coup d'arrêt à ce qui désormais était une croissance soutenue et récurrente depuis des années. On enregistre plus de voyageurs dans les trains régionaux. Mais c'est aussi, ça répond à une opportunité. 9 Français sur 10 cette année prendront leurs vacances en France. Et donc l'opération qui s'appelle Terre de France, lancée entre la SNCF et toutes les régions, c'est inédit, va nous permettre d'ouvrir en grand finalement les portes à la fois de nos territoires et de nos trains. Mais alors, c'est vrai que spontanément on ne pense pas au TER l'été pour voyager parce que souvent il s'agit de courtes distances. Oui, vous avez raison, le TER est en général associé à l'image du travail domicile ou domicile-école. Mais enfin, les ressources du TER sont énormes. Et d'ailleurs, on s'appuie sur cette grande opportunité de l'été pour montrer à quel point le TER peut être le partenaire d'une mobilité durable pour tous les Français et à tout moment. On va donc, dans cette opération, s'appuyer sur 4 dispositifs tout à fait inédits. Le premier point, c'est une carte interactive digitale qui va regrouper des centaines de destinations touristiques à découvrir en TER. Et en quelques clics, vous pourrez faire votre choix sur tout le territoire français et accéder aux moyens de transport en TER pour s'y rendre de manière fiable et sereine. Ensuite, on a 2 millions de billets à petit prix qui seront déployés dans toute la France à moins de 10 euros. Et puis deux mesures qui sont totalement inédites. D'abord une première pour, je dirais, répondre à nos clients les plus fidèles, vous savez, les abonnés annuels des TER dans toutes les régions de France. Eh bien, nous leur offrons, avec les régions, un accès libre, gratuit, à toutes les lignes TER en France pour les mois de juillet et de août. Et puis, bien sûr, on ne peut pas mettre une opération de relance sans penser aux jeunes. Les jeunes, c'est 40% du trafic du TER aujourd'hui, mais c'est surtout les utilisateurs de demain pour nous. Eh bien, nous avons, avec l'ensemble des régions, décidé de leur proposer ce qu'on appelle le Pass Jeune Terre de France. C'est assez simple, en fait. Avec 29 euros pour un mois, soit juillet, soit août, ils pourront voyager librement. Où ils veulent, quand ils veulent, sur toutes les lignes de France. Mais sur ces petites distances, monsieur Lacroix, la concurrence de la voiture, elle est encore plus grande, non ? Pas du tout. D'abord, les avantages du train sont énormes. D'abord, par la sécurité du transport, par la sérénité, par la capacité d'emmener des groupes. On ne se rend pas compte, hein, parce que l'image en fait du TER elle est vraiment tronquée. Mais je pense que non, le TER est vraiment, je dirais, l'ami du tourisme durable. C'est une autre façon de découvrir les sites que de le faire avec nos trains TER. Oui, ce sera le cas par exemple pour aller au Mont-Saint-Michel, par exemple au hasard. Hein. Non, mais tout à fait, le Mont-Saint-Michel ou des destinations dans l'Ouest, le parc des oiseaux dans l'Ain, depuis Lyon, vous savez, beaucoup prennent leur voiture par réflexe, mais ils ne savent pas qu'à 500 mètres de ce parc, eh bien, il y a une gare TER, et c'est quand même tellement plus agréable que d'entamer en fait cette démarche du tourisme au moment du transport. On entend quand même l'inquiétude de la SNCF. On a vraiment l'impression que cet été va être extrêmement compliqué pour la compagnie de chemin de fer, non ? En tous les cas, ce que l'on ressent, c'est qu'on a évidemment un besoin de reconquérir le cœur des citoyens et des voyageurs. Hein. Aujourd'hui, à la sortie de cette crise sanitaire, nous avons pour les lignes TER à peu près 25% d'un trafic normal aujourd'hui. Bon, l'augmentation est quand même désormais est solide, mais l'enjeu est capital parce que l'économie du train dépend pour une grande partie des recettes directes, hein, des revenus pour les billets, les abonnements. Oui. Et donc ce qui est capital aujourd'hui pour l'économie des régions
et du groupe SNCF, bien sûr, c'est de repartir à la conquête des voyageurs. Mmh. Merci beaucoup, merci Franck Lacroix, directeur général TER à la SNCF pour cette opération Terre de France cet été.